avec manchette, rachés. Ceci deux pour arriver 8 octobre 1937. Soldats et civils dominicains rachés environ 20 000 haïtiens par an. Vous voulez qu'on vous dise ça? Et puis qui nous quitte par l'autre là? Et bien, regardez ensemble. Oui, n'oubliez ça, les nous. Qui j'en ai eu? C'est encore Will qui tout ça qui a présenté une nouvelle vidéo. Et puis, pas oublier de partager. Depuis longtemps, relation haïtien avec Dominique pas de jambes tant que Roméo et Juliette. Toujours des titres qui boule en bas entre deux nations. Il faut que nous comprenions ces frontières terrestres qui gagnent entre Haïti et la République Dominicaine. Ça qui vient de rendre l'échange plus facile, faire promesse, haïtien pour le travail l'autre bois et la trier. Mais en 1937, bagaille pour prendre l'autre dimension. Côté Dominique commence à plaindre, faire comprendre haïtien à voler ça dans la zone frontière. Et puis loin, il y a une classe en République Dominicaine qui commence à sentir haïtien envahi au trop. Il commence à faire l'état pression pour freiner bagaille ça. Il y a même fait qu'on ait des quartiers dans le monde. C'est seulement créole qui parlait tellement bien haïtien. Et bien, je quitte samedi 2 octobre 1937, dictateur Rafael Leonidas Trujillo, président qui t'a parlé de l'autre pour massacrer haïtien. Il est passé sous frontière dans la ville d'Arbonne, il a fait déclaration ça. À tout Dominique qui a plein de haïtiens qui volé bête et marchandises. Je viens de dire nous, je vais régler ça. D'ailleurs, nous déjà commencé. Je dis nous avons 300 haïtiens qui ont perdu la vie dans Banica. Nous mettons tes têtes glace pour continuer à résoudre le problème ça. Et bien, c'est avec discours ça, citoyen, tu as ouvert la campagne décapité haïtien. Faut que je dis nous, chaque groupe historien avance les raisons qui menaient la mort haïtien. Bien c'est pour question raciste, bien c'est pour question séparation territoire, bien c'est pour question indépendance et la trier. Mais ça qui c'est, dans même la nuit 2 octobre, le jour président a fait déclaration, le massacre a commencé. Il y a des soldats qui ont tué haïtien avec rache, manchette, pique, baronnet, mais balle pas là-dedans. Pour être massacré plus haïtien, premier ça on fait, on fait mes ponts sur rivière d'Arbonne pour ne pas sauver. Pendant le massacre, ça, personne ne part épanier, garçon, femme, enceinte ou parti, bébé, tout ça au jeune sous chemin, coup de manchette, coup de rache. Opération massacre haïtien, ça a été déroulé dans toute zone ça. Banica, Darabon, Monte Cristi, Sabaneta et Latrier. Mais difficile pour évaluer quand c'était haïtien qui était passé en bas manchette avec rache dominicain. Mais sous ce qui est plus crédible, il fait comprendre l'idée 20 000. Mais sous ce qui allait jusqu'à 35 000 haïtiens, il a raché un pile la guerre dans la force commune et puis il a mis des fait. Ou bien la guerre dans la rivière massacre. Ah non, il vient saboter non. Pour arriver à identifier haïtien ou bien parfois qui ressemble à dominicain, il peut utiliser la langue espagnole là avec ça, qui c'est une branche persie. Fois ça, il pas la poutre pour manger goût, mais plutôt pour le déprendre la vie. Moun. En espagnol, il écrit comme ça. Tant pis par madame qui a prononcé. Celle ça me connaît si je suis sous fonds dominicain en 1937, je ne suis pas d'accord en 1938. En passant, il y a Google traduction. Hein? Persil en espagnol. Entendez. Perejil. Qui ça? Eh bien, c'est moi je pense que ça représente devant. Je me demande qui ça est. Si vous prononcez bien, ou c'est dominicain. D'après vous, là ou pas mourir. Mes amis, si vous ne pouvez pas prononcer Persil ça en espagnol bien, vous mettez faire des livres. Parce que ce n'est pas facile pour l'étranger en disant haïtien, prononcer mot qui dégage J.O. ou bien R.O. bien. Et c'est ça qui fait tout. Massacre ça a porté non, massacre Persil. Et puis, faut que nous ayons un pile haïtien qui était sorti vivant dans massacre ça, c'est grâce à quelques dominicains voisins qui étaient sérieux et puis fait sauver. Après massacre ça, un groupe étudiant déclenché en grève et puis allé devant palais. C'est 900 qui était président dans l'époque là. Sorti pour parler avec eux. Son excellence dit relax la jeunesse. Nous comprenons que nous gagnons la patrie menacée. Mais après Alice, Haïti pas gagné ni monde, ni matériel, ni l'argent pour battre avec Dominique. Et puis le fini, dans le premier temps, tout le monde pour mettre ses 900 pour aller faire une enquête pour le jeune monde qui est coupable pour le juger. Ça entend des enquêtes pas jamais fait. Ça va commencer pour l'autre dimension, c'est le journal américain sorti une série de reportages sur le trajet dit ça. Et puis toute la presse levée, américain fâché, le sénateur américain même exigé pour stopper toute relation diplomatique avec la République Dominicaine. Après on pile parler, en 1938, deux pays ont signé un accord, côté tout il a accepté des dommages et victimes avec une somme qui c'est 750 000 dollars. En réalité, c'est 600 000 dollars pays à te joindre. Côté c'est 30 000 dollars pour chaque victime. Même moment, corruption dans le bois état dit présent. Finalement, c'est 2 centimes qui étaient allés dans le bol chaque monde qui était sorti vivant. Haïti a corruption, le beau ami longtemps. Pendant 82 l'année massacre ça, tout Dominique qui était participé là-dedans, il a bien dormi jusqu'à ce qu'il finisse vivre. Parce que pas de monde qui a défendu. Et après 82 l'année ça tout, relation des deux pays ça pas jamais amélioré. Si tout n'a question de l'amour, yon seul bagage haïtien qui a fait, c'est prier pour yon dominicain par yon côté pour presque tout faire. Parce que l'aile déversé sous nous, n'a toujours pas dit personne pour défendre nous. C'est tout ça que je vous dis pour nous dans cette vidéo. Ça, n'a pas croisé la prochaine fois pour une plus belle vidéo et puis vous êtes positif.